vous expliquer le déroulement de la journée. Donc vous verrez, c'est un terrain qui est sur 4 étages. Le rez-de-chaussée dans le noir intégral, donc lampe conseillée. Dès que vous montez aux étages, c'est éclairé. Il y a 4 escaliers, je crois. Les extrémités, vous en avez un de chaque et deux au centre. C'est là que ça frite pas mal. Attention aux puissances. Est-ce qu'il y en a qui sont en dessous de 300, levez la main. Génial. Ceux qui sont au-dessus de 300, vous passez au PA obligatoire. Ok, donc comme d'hab, on évite de viser la tête, mais si c'est avec ça qui dépasse, le mec qui est en face prend le risque. Protégez-vous plutôt que... Ouais, protégez-vous, essayez de jouer en équipe. Jouez surtout en équipe d'ailleurs, c'est le but de la journée. Si vous êtes là, c'est qu'on sait que vous savez le faire. Donc, au niveau des règles de touche, touchez à terre. Pas peine de simuler des cris ou quoi que ce soit, vous mettez à terre. On bien gaffe. Ouais, regardez ce qu'il y a en dessous. Ça permettra déjà de... Ouais, faites gaffe à l'endroit, sinon vous n'hésitez pas. Vous décalez, faites pas obstacle au jeu. Tout ce qu'on vous demande, décalez-vous, il ne faut pas qu'on vous marche dessus ou que vous prenez des billes, décalez-vous, allongez-vous. Pour vous faire soigner, donc il y a votre médic qui viendra vous faire un massage cardiaque de 15 secondes. On peut vous extraire pour vous amener jusqu'au médic. Si c'est le cas, il faut qu'il y ait un contact aisselle. Il vous lève, enfin vous levez le blessé et vous le prenez de cette façon-là. Ça peut être à deux, ça peut être à une personne. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ok ? Ou le traîner par terre, si vous voulez. Ou le traîner par terre. Ah ouais, c'est semi, je l'ai pas dit, mais c'est évident pour tout le monde, c'est semi obligatoire, le foot obligatoire. Ouais, d'accord, on est d'accord. À le planter à 0, hein. Vous vous plaignez pas. Dans le dos, t'as largement le temps de viser ce que tu veux derrière. Gilet, la cuisse, le cul. Bon, bah, il arrive ce qu'il y a. Tire dans la réplique, tiens. Ah oui, réplique out, hein. Vous faites toucher à la réplique, elle est out, vous passez au PA. L'inverse. On évite aussi le PA out, la genouillère out. Ouais, gilet out, ouais. C'est déjà arrivé un mec, ah oh, bah tiens, j'enlève mon holster. Bah non. Ouais, alors première touche, médecin. Votre attention, s'il vous plaît. Première touche, vous faites soigner par votre médecin. Deuxième touche, vous allez à votre respawn. Ok. 8-0. C'est 8-0 pour le top départ. Je vais finir ma prise. 8-0 pour le top départ. 8-0. Ouais. Prenez vos billes à vos spawns, les gars. Allez-y, les gars. Le dernier me tape dessus, hein. Il y a du monde, les gars, fais gaffe. Hein. Prenez pas de risques inutiles. Hein.
Un de moins. Hop. À gauche, derrière la porte, à gauche. Je vais sortir, mais... 1, 2, 3, 4... Ok, on se... Tout le monde est là ? Allez, tout le monde salon ! Eh, on s'est auto-carnagé tous ? Grave, c'est bien d'être en ado. Attends. Il y a contact ? Ouais. Je passe derrière toi, toi. À terre, blessé, à terre ! Tu vas t'en prendre une. C'est bon ? Ouais. Attends. Vas-y, on... Prends un joue, faut juste que je range mon père. Viens voir ! Prends à gauche. À gauche, deux. C'est eux, c'est eux. Attends-le. C'est eux. C'est eux. Ok, ok. Reçu. Bien pris. On clean. Clear. Wow, les gars. Golfi, tu vas trop vite, putain. Eh, les enveloppes avec le code, c'est n'importe quel étage. Il y a le plomb pour être...
CE. Ok, roule. C'est en bas, ça rate. Un contact, complètement à droite. Et il y en a qui tombent à gauche. Qui tombent à gauche. Out. T'as déjà été soigné toi? Ouais. Respawn. Out définitif. Je me casse. Qu'est-ce que les centrales? En hérisson, les gars. Troisième étage. Il y a une bombe avec le cadenas. J'ai la bombe. On a le code. On va le trouver les deux derniers chiffres. On a du monde au troisième, ils sont dans le couloir à gauche en haut là. Dans le couloir à gauche, là, c'est sombre. On l'élève, nous. Tonton, c'est sombre là. Ils sont ouais. Là. Avancez. Ah, notre médic. Oud, faut l'évacuer. Maintenez un feu constant, là. Posez toujours du tir. Même si c'est pas pour toucher, c'est pour faire baisser les têtes. Allez, feu constant. Boum, on fait un rechargement par séquence. On annonce ton rechargement. Le 3. Allez, allez. Du tir. Je recharge. Ok. Ok, reçu. Qu'est-ce que tu passes pas. Qui vient avec moi, clean? J'ai avec toi, mais je... Je laisse la bombe dans l'entrée. Je prends en face. Ah, il est là où tu sors. Changement de côté. Par derrière. Deux à droite. Deux,
Go. Clear. On remboîte. Deux à droite. Clear. Laissez passer, laissez passer. Okay. Attends le signal, attends le signal. Ok. Tu vas trop vite, tu vas trop vite. Deux à gauche. Go. C'est bon, c'est pas ça. Par là ? Suis-moi. Dernier. Golfi, tu fermes la marche. On est parti. Mais tu t'éloignes pas. Madame, il faut poser ça sur leur spawn le plus proche. À eux. Vas-y, il faut au milieu du deuxième. Ouais. Ouais. Ça enlève. Attention, pour l'instant, on repart en jeu. Votre position, vous êtes toujours au quatrième. On est où là? Deuxième, nous sommes au deuxième, à proximité de leur spawn. Reçu, 1 sur 5, 1 sur 5. Nous sommes au deuxième, à proximité de leur spawn. Ça marche, reçu. Clear. Bas-vous de tonton, on est à l'escalier central, troisième étage, votre situation. Deuxième étage. Parfait, on arrive sur vous. Terminé. Approximativement 10 secondes. On voit Stetos qui arrive. On voit Stetos out. Exact, je vais partir du troisième étage. Nous sommes à 10 mètres de Stetos qui est blessé, on a le médic avec nous. Ça arrive derrière. Ferme les portes, Golfi. Du moment où tu peux pas rentrer, tu peux pas. Ouais, allez. On a contact derrière. Allez. Où ça? On pense là, on pense là. Non mais vas-y, je couvre l'arrière. On remonte pour les aider. On va à droite et on remonte.
Ok, droite, on remonte. Combien ? Deux. Ok. Oh, oh, oh. Race. Ouais. Je tape, tu rentres. Deux à droite. Pierre. On vous longe. Attends, il y a une vis, c'est bon. Je passe pas moi, je fais le tour. Vas-y, viens. Forest. Tonton, pour Forest, on t'a perdu. Il reste Gwell, c'est ça? Ouais. Tonton, pour Gwell, apparemment, Forest a déjà checké ton secteur. Tu peux avancer jusque nous. On se sépare. Première pièce, tu rentres. Ok, reçu. On a eu deux, je répète, on en a eu deux, Hamza. On essaie de te rejoindre de l'autre côté. Je suis là. Recule, tire-moi. Est-ce, c'est quoi ça? Ça vient de l'extérieur. Putain. C'est verglacé. Ça va? Ouais. Ah putain, mon dos. C'est bon. T'as pété Je sais pas, mais... Ton chargeur. C'est donc ta poche que t'as pété. J'ai explosé ma poche. C'est pas grave. Get là. Sombre. C'est pas eux. Prends pas de risque. Ah, mais je l'ai touché. D'accord. Je suis sûr, on va repartir en arrière. T'es prêt? Je passe en arrière.
Bah, derrière. Faut que tu passes derrière moi pour couvrir mon arrière. Ramasse, je couvre. Oh, dégage, dégage. Vas-y. Hamza, on retourne. Ici Tonton, on essaie de te rejoindre. On replie. On est plus que deux et on est mal. En tue barrière. Allez, remplis. Alors Forest ? Oui, c'est moi. On va pas te demander de faire un petit loadout parce que tu vas le faire lors d'une vidéo, mais... C'est ça. Comment tu vas jouer aujourd'hui ? Vas-y, explique-nous. Je vais jouer avec une tenue qui est fortement inspirée, mais pas finie, des Delta. Les Delta militaires américains. Ouais. Donc sûrement on peut trouver une tenue à un BDU en Woodland, classique, bien pourri, dégueulasse, avec une petite modification des poches ventrales qui ont été mises sur les terrains. Et bien pourri parce que regarde, mon Woodland voilà. est moins pourri donc que ça. Là, c'est un peu moins pourri, et puis bah, si on veut reprendre d'autres Woodlands qui sont tout neufs, genre ton spec, c'est encore plus. Sûrement en seconde line, on peut avoir une rave MSA Parakeet. Voilà. MSA Parakeet. D'accord. Avec les poches de la même marque. Hein. Vous avez mis du balistique là un peu. Alors, c'est du balistique Decathlon, mais il y a aussi les plaques Point Blank d'entraînement. Ouais. Donc ça fait un petit gilet à 4 kg, 4,5 kg. D'accord. Donc voilà. Tout ça, il y a les chargeurs, comme il faut. Radio, poche. La petite tornado qui va bien, la petite poche médic qui va bien aussi pour soigner les petits bobos. T'emmerdes pas pour sortir ton PA là ? Non, en fait pour aller chercher le PA, c'est pour ça que je mets un peu en arrière, c'est justement pour esquiver ta poche médic et tu peux le sortir par les pieds. D'accord. Après, pour rentrer, hop, sans okay. Succès, c'est très bien. Et donc voilà, c'est sympathique. Réplique, ouais, on continue. Magnifique M4 Mar 8 première génération, c'est un truc. Mar 8, donc ça doit dater de 2005. Voilà, c'est un truc qui a 10 ans. Ah, donc qui tourne bien, qui grasse un petit peu. Donc là, bah, il est full d'origine, il tire à 240 FPS. C'est quoi la grasse pas, c'est pas normal. Voilà, 240 FPS. Bah ici, c'est suffisant. Hein. Avec une sangle VTAC de pointe, qui est bien solide, pratique, un peu réglable dans tous les sens. Il voit la tienne bien plaquée avec... On tire sur le machin, on a directement. D'accord. Donc c'est pratique. Non mais elle va être ouverte. Avec son lampe devant sur le canon, un M2. On reprend un M2 avec un petit rail pour Kirin Hull. Comme ça, on a une bonne acquisition, on est bien haut, tranquille. Une M20 Warrior de chez Olight. Ouais. Et un petit buttpad, John Massen, pour buttpad. Avoir un petit épaulage correct, que ça glisse pas sur le gilet et tout. D'accord. C'est tout nickel. Donc voilà. Et les petits Pumac PTS qui vont bien aussi. Super. Et tout ça alimenté par une batterie ProSet 4. Histoire d'avoir un petit peu de réactivité. Respecter Marie quand même, faut pas lui abîmer voilà, l'interne. On va pas mousquer la bête, hein, c'est une antiquité, on va faire attention à ce truc. C'est cool. Donc, on espère, Salut Marines. Ça va. Alors l'émission Pas mal. Comme d'hab, on va se donner à l'heure. Voilà ce flop qui a cuisiné aujourd'hui. Hein, donc nous, on découvre le plat comme vous. Hein, donc, ça va être marrant. Ça va être marrant. Alors, vous le sentez comment? Vous êtes filmé par contre. Hein. Ça se passe comment aujourd'hui alors? Il est fatigué, tonton. On a fait la brin hier soir. Ah ouais? Vous êtes combien aujourd'hui? On est que 6. 6? D'accord, ok, c'est bien. C'est bien. On va essayer de se coller, puis s'il faut, on scindra.
en squad. C'est comme on avait fait la dernière fois, t'étais là, hein, quand on avait pris les escaliers étage par étage et qu'on regroupait au milieu là. Ça a été efficace, c'était redoutable sur eux. Donc, On vous copie, hein, si vous êtes nos modèles. Hein. Putain, arrête de dire des conneries. Il dit des conneries. Il est encore sous l'influence de l'alcool d'hier. C'est pas ce qu'il dit. Ouais, c'est ça qu'on. Qu'on quiche bien quoi. Puis on laisse pas un mec. L'un de vous. Malheureusement. Bouge pas. J'ai oublié tout ce qu'il fallait, merci. Bon bah c'est cool. Oh c'est mignon ça. Mini Cross M16, que je connais bien. Ça m'intéresse. Tu l'as chopé où? En fait c'est sur une que j'avais acheté par Idocase. Je t'ai déjà monté dessus. Tu le demandes gentiment ton con. Tu le demandes gentiment. De quoi? C'est pas mal ça. Ça me sert pas en plus. Ça me sert pas moi. Bah avec la lampe c'est un peu chiant quoi, mais j'avoue que c'est pratique. Ouais. Ouais, c'est pareil, la vente sur une réplique que j'avais acheté de case pour pièce. C'est chez qui ça? Ça c'est une GG Armement. D'accord. C'est surtout pour jouer en bâtiment. Ouais. 260. Donc... Bah t'es parfait. Hein. Ouais. On est tous à 270, 280 quoi. Ouais, 280. Ça sert à rien d'être à 150. Hein. T'as la porte, t'as largement la porte. Ouais, mais tu soulages ta mécanique et tu sens que ça va plus vite. Et les potes en face aussi. Ouais, ouais, j'avoue. Tire sur les potes. Ouais, c'est ah, oui. Ah merde. Ouais mais c'est les réflexes au passage d'une pièce. Un mec debout je tire. Fais pas trop gaffe au camo. Donc ouais. Ah, facile. Bon, c'est la gâchette. Tu viens de le dire. C'est du team kill, c'est de ta faute. Ouais, hein, c'est de ma faute. Ouais, voilà. En même temps, les mecs, ils ont des jeans blancs. Ouais, moi, je le confonds, je lui tire dessus. En jean bleu, c'est pas mal. C'est pas une chance. C'est la dèche. Ouais, c'est la dèche. J'ai rien enfoncé. Le problème, c'est que j'ai rien enfoncé. Ouais. Non, mais tu rigoles, mais ouais. Putain, en plus, un pantalon blanc, ça vaut que dalle. Regarde toujours, on va dire plutôt. Ouais, mais non, mais moi, je veux le pantalon avec les pads et tout. Bah oui. Ouais, on veut du confort, hein, on veut exigeant, hein, bien con surtout. Mais bon. Ah, ça va bien, on a un peu moins de prévu. J'ai deux gars qui ont pas pu venir. On est que 6, tu vois. Ah, ouais, mais ça va le faire. Ouais. C'est bien, je préfère qu'on cherche plutôt qu'on soit bloqué à chaque carrefour. On va les remplacer. Mais ça me rappelle la partie qui nous avait invité sur The Hangar. Vous avez fait pareil sur 40. Ouais. C'était excellent, c'est là que à mon avis, ça avait été énorme. On va peut-être se chercher un peu. C'est ça qui est bien. Mais il va y avoir des vieilles embuscades dans le culé aussi. Ouais, c'est ça qui est bien aussi. On va tomber sur des groupes. Si t'as tendance à te relâcher quand il y a personne, tu te relâches un peu. Ouais. Si on voit que tout le monde du temps, on va chercher. C'est que des MC l'après-midi. Bah, il faut, hein. Bah, on a un. On a un aussi, mais on n'a pas les gros. On en a 3 sur 6. Ça va être dur. Ça va être difficile. Bon, bah, c'est cool, les gars.